Salut tout le monde, c'est Jacques, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est sur Palworld pour une nouvelle vidéo. Et les amis, bah, je voulais aller faire un petit tour et tout, mais là, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu la grosse mise à jour avec un nouveau boss qu'il faudra invoquer, enfin, avec pas mal de nouveaux trucs, les amis. Je vous invite à aller voir sur la page de Steam tout ce qu'ils ont fait, c'est un truc de fou quand même. Ils ont fait pas mal de trucs. Et là, je vois qu'ils nous ont mis un nouveau tutoriel fabriquer et équipe un parachute normal. Et appuyer à nouveau sur espace pendant le saut. Non, non. Voilà, capture Fosse Park pour débloquer. L'objet harnais. Oui, à chaque fois, il nous met des petits trucs. Tac, tac. Mais comme on en a fait déjà pas mal de petits trucs. Voilà. Alors, attendez. Puisque là, capturer Force Park pour débloquer l'objet harnais. Pour Force Park à l'écran technologique à utiliser l'établi. Non, 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 non. Et je l'ai pas fait, ça, déjà? Mon copain? Ah non, je l'ai pas fait, ça. Je crois qu'il doit être là-dedans. Alors, bougez pas. On va se faire ça, les amis, hein, d'abord. Ah, c'est ça, hein, Force Park. Ok, je peux le faire. Allez, vas-y. C'est où? C'est là. On va se faire ça, les amis. Je voulais aller faire les boss parce qu'en fait, ce qui s'est passé. Toi, tu peux taffer ou comment ça se passe? Il est où l'Anubis là? Oh, vas-y, travaille un peu, toi. Voilà, super. Tac, super. Ça, c'est bon. C'est bon. Construire l'incubateur. Rejoins les dunes arides pour défier le boss de la tour de la malice, de la milice populaire. Rejoins le volcan noir pour défier le boss de la tour de la confrérie des flammes éternelles. D'accord, parce que alors, justement. Justement, les amis, ce que je voulais vous montrer, c'est que, regardez, en fait, la dernière fois, voilà, on avait été visité, enfin, j'étais passé par là, on avait été visité pour justement aller sur cette île-là pour récupérer là, tous les derniers pales que j'ai eu là, qu'on a récupéré, d'ailleurs, il m'en manque deux, et en fait, bah, j'ai délimité toute la zone, justement, vous voyez, pour vous montrer que, bah, voilà, qu'il y avait encore quatre boss ici, donc là, on en a un, Menastine 44, le Suzaku 45, le 47 Dinosaur Luxe. Et alors les amis, il est Paladus niveau 50. Donc ils sont deux. Il y a son frérot qui est caché derrière. Attendez, je l'ai vu. C'est Necromus et Paladus. Je crois un truc comme ça. Donc ils sont deux level 50. Donc là les amis, je pense que celui-là. On verra ça plus tard. Hein, on verra ça plus tard. Là, bah, les montagnes. Enfin la glace. Je ne l'ai pas fait encore. Je ne l'ai pas encore débloqué. Donc ça, je ferai ça en off. Je ferai la même chose pour voir un petit peu tout ce qu'on a ici. Là, j'ai découvert un arbre magique. Là, c'est une grotte avec un boss. Et là, il y a une galerie secrète, je sais pas quoi, qu'il faudra qu'on aille visiter ensemble. Je l'ai pas fait, justement, pour voir. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Construire un incubateur, d'accord? Rejoins les dunes arides pour défier le boss de la milice populaire. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça, ça va être marqué? Milice populaire, ouais. Et là, la confrérie des flammes éternelles. La confrérie des flammes éternelles. Par contre, il me parle pas. Non, c'est pas ça, c'est plutôt ça. Il me parle pas de celle-là. Donc alors c'est peut-être celle-là la dernière. No data. Donc c'est peut-être celle-là la dernière, les amis. C'est comme je vous rappelle, on a fait la première qui est là. Juste ici. On a fait la deuxième qui est ici là. Voilà, la tour de la ligue de protection. Et là ils nous disent de faire. Alors si on suit le truc, il faudrait faire d'abord celle-là. Et après se faire celle-là. D'accord. Bah écoutez, ouais, ok. Là d'abord ce qu'il nous dit aussi, on va aller faire un petit tour là-dedans. Dans les technologies. Est-ce qu'il n'y aurait pas des nouveaux trucs justement? Parce que comme il nous parle de pas mal de nouveautés, justement je voudrais aller voir s'ils nous ont pas mis des nouveaux trucs qui traîneraient par ici, par là. L'anneau de manipulation. Voilà, une bague de pacifiste. Son porteur ne peut pas réduire sa santé de sa cible à moins de 1. D'accord. Ok. Donc là, on a ça. Est-ce qu'il y aurait un petit truc nouveau qui traînerait encore? Buffet ancien. Non, ça, je m'en fous. Il me parle d'un incubateur électrique. Alors, je l'ai peut-être déjà passé. Ça, je l'ai peut-être déjà passé. C'est quoi ça? Nuage d'orage permet de rejoindre le premier camp à proximité. Utilisation impossible dans les donjons. D'accord. Nuage de Daisy. Ah, ça, j'ai pas récupéré. Ah, quoique, peut-être. Peut-être, peut-être. Ça, c'est quoi? Une carrière de cuivre. D'accord. Maintenant, on va pouvoir faire ça dans notre base. Pistolet à grappin, ça, je m'en fous. Hôtel d'appel. Alors, faire offrande de la tablette à l'effigie d'un pal permet d'appeler le puissant pal sur le camp. Ces combats nécessitent une préparation minutieuse. Ok, ça, c'est pour débloquer les gros fights de boss. Pas de problème. Les lunettes de clairvoyance. Il permet de déceler les talons cachés des pales. Les PV, l'attaque, la défense sont affichés
Sur une échelle de 100. D'accord, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Incubateur électrique. Donc c'est celui-là qu'il va me falloir. C'est celui-là, je pense que c'est celui-là qu'il faut qu'on fasse, les amis. Donc au niveau des pales, je pense que non, il n'y a pas de nouveauté par là. Je pense que c'est plus de ce côté-là, au niveau point technologique antique, qu'il y a des trucs à débloquer. Ouais, pour moi, je pense que c'est ça. Pour moi, ça doit être ça, les amis. Tac, tac, tac. Donc attendez, parce que j'avais pas vu au début. Donc on va refaire tous les trucs là technologiques. Les lunettes de clairvoyance. Je sais pas, je verrai. Je verrai par la suite. Ah, il y avait carrière de cuivre, il y avait des trucs. Donc j'ai pas dû débloquer certains trucs. En haut. L'anneau, non. Carrière de cuivre. Carrière d'installation pour produire des minerais de métal. Ok, une bonne force physique est nécessaire pour extraire des minerais de métal. Laissez faire les pales experts. Non. Ok, ça veut dire qu'on n'aura même plus besoin d'exploitation minière. Tu vois, t'auras même plus besoin de te faire une deuxième base en fait. T'auras juste, tu te fais ta base, tu poses ça. Et c'est parfait. Il y en a qui vont miner du fer toute la journée. Ah, ça c'est pas mal. Donc attendez, il y avait amélioration alors apparemment. Tac tac, on va regarder ça. Hein, les amis, on regarde la nouvelle mise à jour. Ça, ce sera à débloquer aussi, je pense. Ça, ce serait pas mal ça. Ça, ce serait pas mal. On va le prendre. Carrière, nanana, une installation, nanana. Le métal, ouais, c'est pareil. Sauf qu'elle est niveau 2. Sauf qu'elle est niveau 2. Ok. Ça, c'est le truc normal. Et après, le reste, on avait vu. Et là, les lunettes de clairvoyance. On verra ça plus tard, je pense, les lunettes de clairvoyance. Sur le palpédia, les amis, bah là, on est plutôt pas mal. Hein. Vous voyez, j'en ai vu 133, j'en ai 124. Donc, il m'en manque quelques-uns, mais on commence à être pas mal. On commence à être pas mal. Donc, attendez. Pour faire du cuivre, c'est quoi? Ça coûte pas si cher que ça, quoi. Franchement, ça coûte pas si cher que ça. Ah, mais ça, c'est la 1. Ouais, il me faut la 2. Voilà, la 2, elle est là. Ouais, c'est pareil, ça coûte pas excessivement cher. Ça coûte pas excessivement cher. Le truc, c'est que là, j'ai pas de place pour le mettre, ça. Non, ici, non. À la limite, il faudra que je le mette peut-être là. Est-ce que je peux pas... Ah ouais. Ah ouais, c'est costaud quand même. Mais si je mets ça là, là, ça peut être sympa ça. Tac. Voilà, on va poser ça là, les gars. Tac, c'est bien niveau 2. Ouais, je pense. Hein. Attendez, je sais plus, les gars. Ouais, carrière de cuivre niveau 2. Ok, ça c'est bon. Donc ça c'est posé déjà. Tac, tac. Là, il me faut... Non, arrête de faire l'imbécile. Incubateur électrique. Qu'est-ce qu'il me faut? Circuit imprimé 15 et cœur d'une ancienne. Cœur d'une ancienne civilisation. Ça se trouve où ça? Ça se trouve où ça, les amis? Alors ça, je sais pas par contre. Attendez, il y a un truc là, autre. C'est quoi? Appel. Et là, il me demande quoi? Des pierres et nanana. Ah ouais, c'est l'hôtel de nanana. Ouais, mais ça, l'hôtel, je vais peut-être pas le faire dans ma base. Pour l'instant, ça, on verra ça après. Mais alors, c'est le... Je sais plus ce qu'il me demandait. Ah, les tenues ont changé, regardez. Le graphisme des tenues ont changé. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Mes copains, ils sont comment? Mes copains, ils sont toujours là. Plutôt cool. Tac, tac, tac. Mais alors, attendez, puisque là, ils me demandaient... Je sais plus trop quoi ils me demandaient. Circuit imprimé. Déjà, ça, c'est sûr. Donc, déjà, je vais aller voir ce qu'ils m'ont fait là-bas, les mecs. Hop. Je vais annuler. Hop là, donne-moi tout ça. Hop là, hop là. Circuit imprimé. Du circuit imprimé, on va s'en faire... 15. 15, c'est pas mal. Hop, comme ça, quand l'autre va se réveiller, ça c'est fait. Alors attendez, non, c'est pas là, c'est là. Parce que, attendez, c'est... Cœur d'une civilisation. Cœur d'une ancienne civilisation. Mais ça se trouve où, ça, les amis? C'est ça le truc. Est-ce que ça se fait? Est-ce que ça... J'en sais rien. Les circuits imprimés 15, bah c'est parfait. Les pièces de nanas, c'est bon. Des lingots, c'est bon. Tout ça, on a. Ah non, j'aurais peut-être pas dû faire ça là. J'aurais peut-être dû regarder. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer la nuit. On va passer la nuit, les amis. Comme ça, ils vont se réveiller, ils vont commencer à bosser. Ça, ce sera pas mal. Sinon, ils vont rien faire du tout, les mecs. C'est pas top.
Attendez, je vais juste aller voir un petit peu là-dedans. Non, là ça change pas. Là, y a rien qui a changé, les trucs de pâle, nanana, des trucs non plus. Et là-dedans, c'est les anneaux, les trucs. Non. C'est quoi celui-là? Bague neutre. Ok. Non, voilà pour l'instant, les amis. Je vois pas ce qui a changé. Alors. Faudrait qu'il me fasse ça assez rapidement, les lascars là-bas. Ce serait top. Ce serait top. Allez les gars, on y va au charbon là. Faut y aller les copains là. Allez. Pas le temps de traîner là. Bon les amis, je vous prends quand c'est fini. A tout de suite. C'est bon, merci les copains, ça fait plaisir. Attendez, je voulais voir si ça se trouve on a une recette dedans, de trucs de cœur de nana, non? Là, il me faut des nuages de Daisy que j'ai pas. Donc Daisy, je pense qu'il va falloir que j'aille la buter celle-là. Voilà, comme ça je vais en récupérer. Par contre, le truc c'est que bah, je sais pas où est-ce qu'on récupère des cœurs de pâle là. Là c'est quoi? Non, là c'était les armes, là-bas c'est les sphères. Donc il va peut-être falloir que je tue des boss pour faire ça, pour récupérer ça maintenant. Donc bah attendez, ce qu'on va aller se faire tout de suite les amis. Comme ça on va être fixé. On va aller voir le copain Pikachu qui est là. Tac tac, viens ici toi. Ça va pas traîner, vous inquiétez pas. On va faire ça vite fait. Le Pikachu maintenant, et voilà. Vous allez voir. Je me le fais de temps en temps, le Pikachu. Ça me permet de me faire des petits points. Ça dure même pas une minute. Je sais même pas combien de temps ça dure. Mais généralement, ça va assez vite. Vous inquiétez pas, ça va aller assez vite, les amis. Et comme ça, moi, ça va me permettre de voir si on peut récupérer. Comment? Les cœurs de l'ancienne civilisation, je sais pas quoi. Tiens, vas-y, énerve-toi là, s'il te plaît. Allez, vas-y. Moi, ça va aller vite, les gars. Vous inquiétez pas. Normalement, ça traîne pas avec lui. Hein. Je vous laisse le fight quand même. Voilà, ça va aller vite. Hein. Ça va aller vite. Allez, taffe un peu là quand même. Voilà, super, mon copain. Ouais, je l'aide même pas généralement. Hein. Vous inquiétez pas, lui, il fait son taf. Il fait son taf. Ouais, il va le tuer. Ouais, là, il lui a fait bien mal. Ils ont pas augmenté ses points de vie à lui, là? Si, je crois qu'il a 30. Ah, il avait pas 30 000 points de vie avant celui-là. Ah non? Je crois pas qu'il avait 30 000 points de vie celui-là avant. Tiens, vas-y, tiens, on va te faire un petit peu de. Tiens, je vais te faire taffer un peu, toi. Lui, il va lui faire mal aussi, lui. Tiens. Voilà. T'inquiète pas, ça va aller vite, mon frérot. T'inquiète pas. Hop là, tu rentres. Comme ça, il te fume pas. Tu remets mon copain. Ah, il y a du temps maintenant. D'accord, ok. Ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on sait qu'il y a du temps. Vous voyez, en bas à gauche, là, et sur la tête de mon gorilla, j'ai du temps qui me permet de pouvoir réactiver sa pleine patate dès que c'est bon. Moi, j'ai même pas le temps. Donc qu'est-ce qu'on va récupérer des trucs maintenant? Non? Non, ça m'a rien fait récupérer. Non, j'ai rien gagné. D'accord les gars, donc c'est pas ça. Donc c'est pas ça. Alors peut-être que comme je les ai déjà fait trop souvent, peut-être que ça marche plus sur eux, mais normalement ils devraient nous enfiler quand même. Normalement ils devraient nous enfiler. Construire un incubateur. Bah ouais, je veux bien. Mais je peux pas, mon pote. Je peux pas. Tac, tac, non. Cœur d'une ancienne civilisation. Est-ce que ça s'achèterait pas, les gars? Est-ce que ça s'achèterait pas? Donc bougez pas. On va aller faire des courses. On va aller voir là-bas. Si justement il n'y a pas un vendeur qui nous achèterait des trucs comme ça. Enfin, qui nous vendrait des trucs comme ça, surtout. On va aller voir ça tout de suite. Salut copain, ça va? Ouais, ça va et toi? Bien, ok, donne. T'as des trucs à vendre ou pas? Ah, t'as des nouvelles bagues toi par contre. Réduit le feu, ça c'est quoi? Réduit la santé de sa cible à moins de 1. Ah d'accord, je suis même pas obligé, en plus obligé de le débloquer, je peux l'acheter directement. Ok, plutôt cool. Je crois que j'avais un plan à te vendre.
Tiens, vas-y. Hop là, ça me fait 1000 balles. Ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Ah oui, il y avait un truc que j'ai pas regardé, tiens, justement. C'est qu'il nous parlait d'une armure qui fait le chaud et le froid. Donc, va falloir que je vois ça. On va voir ça après, les amis. Toi, tu vas nous vendre quoi? Toi, tu vas nous vendre la même chose que d'habitude. D'accord. Donc, non, ça doit être un truc à récupérer sur certains boss, peut-être, justement. Sur le boss de la milice. Attends, t'éparpille pas. Sur le boss des dunes de sable, des dunes arides, pardon, et volcan noir. Je pense que c'est peut-être par rapport à là qu'on va récupérer ces trucs-là. Je pense, hein, les amis. Sinon, je sais pas trop. Sinon, je sais pas. Sinon, je vois pas là. Qu'est-ce que je voulais voir aussi? Ouais, c'était par rapport aux armures. Il nous parlait d'une armure là qui fait un peu tout. Mais alors, est-ce qu'elle va être où? C'est ça le truc. L'armure en fourrure chauffante. Ok, là on va faire ça comme ça. Tac, tac. Celle-là c'était laquelle? Armure en métal réfrigérante. Armure en métal chauffante. Et pour l'instant je vois rien de... d'extraordinaire, on va dire. Et justement pas d'armure qui fait que... Ça c'est l'armure raffinée que j'ai. Ça c'est celle que j'ai. Ok, donc peut-être plus bas. Armure en palladium. En aluminium, pardon, réfrigérante et chauffante. Donc non, j'ai pas vu de d'armure comme il faut. Donc non, sur ça j'ai pas vu, les amis. Sur ça j'ai pas vu du tout. Il est où mon Grisbolt? Ah, il avait peut-être la dalle. Elle a peut-être faim. Et donc ça se passe comment ça? Travailler les minerais, nanana. Ok. D'accord. Bon bah écoute. Dès qu'il y en aura un qui voudra charbonner, bah il pourra aller charbonner. Tiens, donne-moi ça, toi. Comme ça, je vais pouvoir mettre ça dans la gamelle là. Hop. Hop. Voilà, manger tout ça, les gars. Ah ouais, je commence à en avoir un bon petit stock. Hein. Ah ouais, ça charbonne depuis que j'ai la liline et tout le bordel. Ça charbonne. Ça charbonne, ça c'est plutôt pas mal. Et du coup, ouais, je sais pas du tout où est-ce que je peux attraper ça, les amis. Donc, ce qu'on va laisser faire quand même. C'est que bah écoutez, on va essayer de se faire un petit boss. Hein. Quand même. On va essayer d'aller. On va essayer d'aller choper celui-là. Ça les amis. On y est. On y est. Donc je voulais juste faire ça et ça. C'est bon? C'est parfait. C'est parfait les amis. Donc bah écoutez, on va aller voir ce que c'est comme boss. Hein. Parce que là, je sais pas du tout. C'est Felaris, c'est celui que j'ai dès que j'ai récupéré la dernière fois, ça. Sur la troisième île. Je crois que c'est ça. Hein. Marcus et Felaris. Ouais, c'est ça. Ok. Donc bon, ce qui est plutôt pas mal, c'est que j'ai de l'eau déjà. Donc ça, c'est plutôt cool. Tiens, tu prends déjà une petite cartouche. Mais pourquoi tu descends pas, par contre? Non, t'as pas envie? Ah si, ça y est. 146 000 points de vie. D'accord, mon pharaon. D'accord. Il fait de l'électricité celui-là. Tout pour taper l'eau. D'accord. Tu ne tueras pas sur celle-là, mon frérot. Tac, tac, t'inquiète même pas. T'inquiète même pas. Oh putain. Oh, j'ai eu chaud là. Oh, j'ai eu chaud. Ça va, mon Jormunted, il est toujours pas mal. Oh putain. Par contre, au niveau du temps, je suis pas bon, les gars. Au niveau du temps, je suis plutôt pas mal. Enfin, je suis plutôt très mal, même. C'est pas pas mal, c'est je suis plutôt mal, mal. Tu vois, 6000 points en 2 minutes, enfin en 1 minute, ça fait pas beaucoup le taf. Hein. Ça fait pas beaucoup le taf. Viens là, attends. Tac, tac, viens ici. Non, ça c'est pas terrible non plus. Vas-y, excite-toi un petit peu.
Ah putain. Ah putain. M'a cramé, il m'a tout fait là. Vas-y, vas-y, bouge, 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 mon frère. Ah oui, il est mort déjà, ok. Tac, tac, vas-y, reviens. Vas-y, reviens, t'étais plus costaud, toi. Quoique. Putain, mais t'es où, là? Ok, les amis, ça risque d'être tendu, je crois. Ça risque d'être tendu. Bah, les amis, ouais, malheureusement. Voilà, je suis pas équipé pour faire ça encore. Heureusement qu'il sort pas de l'arène, parce que sinon il serait sorti, il serait mort ce coin. Direct. Direct. Bon bah en 10 minutes, je vais enlever 40 000 points quoi. Voilà. C'est tout ce que j'ai réussi à faire les amis. Merde. Ça c'est pareil, c'est dégueulasse, normalement je devrais pas être mort. Donc voilà les gars, bah écoutez, je suis retourné à la maison. Là, là, tac, tac, mais pas normalement, il n'y en a aucun qui est mort. Il n'y en a aucun qui est mort, donc là, ils vont récupérer leur petite vie pépère. Est-ce qu'on n'aurait pas une petite ouverture d'œuf à faire pour se terminer? Pour se terminer. Bah, si, les amis, là, j'en avais des énormes. Donc, j'ai deux énormes feux. Ah, bah, j'ai ouvert celui d'à côté, moi. Un sous-à-coup, ok. Un sous-à-coup, non? Un sous-à-coup, bah, ouais, mon copain. Alors, en électrique, on a quoi? Un dîner, bah ça va être un prochain boss aussi. Je sais pas si je suis équipé. Ok, un Robin Hood du désert. Et lui c'est quoi? Ok. Ah d'accord, c'est un truc qu'on utilise comme ça. Permet de rejoindre consommable. D'accord, donc ça je le mets là. Et d'accord, comme ça je peux retourner au camp s'il y a quoi que ce soit. Ok les amis, ok ok. Donc ça on a vu, ça on a vu. Le seul truc qu'on sait pas les amis, c'est bah voilà. Les cœurs d'une nouvelle civilisation. Je sais pas où trouver ça. J'en ai jamais trouvé. Et ça me dit rien du tout. Donc est-ce qu'il faut pas taper un boss pour faire ça? Enfin les nouveaux boss là. Je sais pas trop les amis. J'espère pas parce que je crois que je suis pas prêt. Et apparemment les nouveaux boss là qu'il faut invoquer. Apparemment c'est un truc de fou. Au niveau de la difficulté. Donc bah, écoutez, on va voir ça. Mais laissez-moi des messages dans les commentaires. Justement si vous savez où est-ce qu'on trouve ces pièces là. Justement. Et puis bah si vous avez kiffé, et puis bon, on se retrouvera dans une prochaine vidéo, donc bah portez-vous bien. Ciao bye tout le monde.